Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de votre chaîne panafricaine Africa News. C'est Football Planet. Le week-end de football en Afrique a été plutôt calme, sans aucune action, à la fois en Ligue des champions de la CAF et en Coupe des Confédérations. Le marché des transferts a toutefois été très actif, notamment en Europe. Aujourd'hui, nous nous attarderons sur certains des acteurs africains qui ont jusqu'ici achevé leurs transactions de transfert. L'attaquant burkinabé qui joue pour le club égyptien d'Al Masry a récemment réalisé une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il existe un racisme généralisé dans le football nord-africain. Le journaliste ghanéen Nuhu Adams sera avec nous un peu plus tard dans le cadre de cette émission pour faire le point sur cette question. Et l'attaquant sénégalais Moussa Sow a annoncé sa retraite du football international après l'échec de son pays lors de la Coupe du Monde de 2018. D'après les informations locales, il a mis un terme à sa carrière internationale afin de se concentrer sur ses engagements en club. Nous vous donnerons des détails à ce sujet dans le cours de cette émission. C'est parti pour cet épisode de Football Planet. L'Afrique est active sur le marché des transferts. Quelques jours avant le lancement des principaux championnats européens, le marché des transferts est très actif. Nous avons compilé certaines des mesures prises par les acteurs africains. On fait le point. Le mois d'août sonnera le glas de la période des transferts dans plusieurs pays européens. Le mercato d'été 2018 a donné lieu à d'importants mouvements de joueurs. Des footballeurs africains ne sont pas restés en marge de ces mouvements. Plusieurs d'entre eux ont changé d'écusson. Kalidou Koulibaly restera à Naples. Le défenseur sénégalais a prolongé de 5 ans son contrat avec le club italien. Une signature qui a mis fin aux appels de pied de Manchester United et de Chelsea, qui étaient prêts à débourser jusqu'à 90 millions d'euros pour s'attacher les services du sénégalais. Un autre sénégalais, Serigne Fallou Diagne, a rejoint la Super League turque. Il est arrivé libre à Konyaspor après son bail avec le Werder Bremen, alors que la star camerounaise Samuel Eto'o quittait le même club turc par consentement mutuel. Le club saoudien d'Al Nassr a signé un contrat de 4 ans avec Ahmed Moussa de Leicester City. Sheikou Kouyaté a rejoint le club anglais de Crystal Palace. Pour s'attacher ses services, Crystal Palace a versé 9,5 millions de livres sterling à West Ham. L'international nigérian Alex Iwobi a signé un nouveau contrat de 4 ans avec Arsenal. Il évoluera donc sous les couleurs de Gunners jusqu'en 2022. Le jeune Togolais Maxime Aoudia a décroché son premier contrat international avec le Bayern Munich. Il a paraffé un contrat de 3 ans. Le jeune défenseur sénégalais Moussa Wagé évoluera désormais sous les couleurs du FC Barcelone. Son contrat a été signé vendredi. L'attaquant burkinabé Aristide Bancé a récemment accusé l'Égypte et d'autres pays nord-africains de racisme et attaqué la direction de son club Al Masry. Bancé, qui a quitté à plusieurs reprises l'Égypte pour le Burkina Faso sans en avertir son club d'origine, a insisté sur le fait que de nombreux joueurs africains noirs souffrent dans cette partie du continent. Pour tenter de comprendre les affirmations de Bancé, nous avons en ligne Nuhu Adams, qui est journaliste sportif ghanéen. Bonjour Nuhu. Alors, comment réagissez-vous à cette question? Quelle serait la réponse appropriée de la CAF et d'Al Masry? Eh bien, je décrirais les commentaires d'Aristide Bancé comme très, très regrettables. Même si, selon une certaine perception, les footballeurs sont maltraités en Afrique du Nord. Ce problème peut être vu sous deux angles. Premièrement, certains clubs d'Afrique du Nord ne sont pas financièrement en bonne santé et ils dépensent donc beaucoup d'argent pour signer des joueurs d'Afrique subsaharienne juste pour participer aux matchs de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF. Dès qu'ils ne parviennent pas à atteindre les phases de groupe, où nous savons que les clubs vont gagner de l'argent, ils commencent à résilier la plupart des contrats. Je peux citer Al-Hilal et Al-Merrikh au Soudan, par exemple, l'INPP en Égypte, ainsi que certains clubs en Tunisie et en Algérie. Mais si nous prenons en compte les cas d'Al Ahly, d'Espérance de Tunis, du Wydad Casablanca, du Raja Casablanca et d'autres grandes équipes d'Afrique du Nord, ce n'est pas comme ça que ça se passe.
Merci, nous Adams, journaliste sportif à Ghana. Le Sénégalais Moussa Sow s'est retiré du football international. Le sportif de 32 ans était membre de l'équipe d'Aliou Cissé à la Coupe du Monde en Russie, mais n'a joué aucun match avant la sortie de son pays en phase de groupe. On écoute. Moussa Sow se retire de la scène footballistique. Après des débuts marquants en 2009 au Sénégal, l'attaquant sénégalais Moussa Sow a annoncé son retrait de la scène internationale. Le joueur de 32 ans était membre de l'équipe d'Aliou Cissé lors de la Coupe du Monde en Russie, mais n'a pas participé au tournoi. Sow a représenté les Lions de la Teranga à trois tournois de la Coupe d'Afrique, en 2012, 2015 et 2017, et à la Coupe du Monde 2018, la deuxième apparition du pays sur la scène mondiale. Sur la scène internationale, le Sénégalais a débuté sa carrière professionnelle à Rennes avant de passer à Lille en 2010. 19 buts au compteur en 50 matchs internationaux, il est devenu meilleur buteur avec 25 buts en championnat, dont un triplé lors de la dernière journée contre l'ancien club de Rennes en mai 2011 et a aidé Lille à remporter son premier titre de champion de France depuis 1954. Par ailleurs, l'ancien attaquant de Lille ne compte pas tourner le dos à la tanière. Ça a été un plaisir et une joie immense d'avoir porté le maillot de l'équipe nationale et je serai toujours là pour accompagner les Lions, a-t-il promis. Alfonso Davies, 17 ans, a récemment effectué un transfert record de la MLS au Bayern Munich au terme d'un périple qui l'a conduit d'un camp de réfugiés au Ghana à l'Allianz Arena. Davies est né à Boudouburam, un camp de réfugiés situé dans le district de Gomoa, à l'est du Ghana, de parents libériens. L'année passée, il a reçu un passeport canadien et sa vie a changé pour de bon. On fait le point de cette histoire. Le Canadien d'origine libérienne, Alfonso Davies, est la dernière recrue du Bayern Munich. L'équipe allemande a conclu une transaction de 13,5 millions de dollars avec les Vancouver Whitecaps et la MLS. Davies devient ainsi le transfert le plus cher de tous les temps de la MLS et l'adolescent le plus cher du Bayern Munich après Renato Sanchez. Alfonso Davies, c'est la success story d'un jeune de 17 ans parti d'un camp de réfugiés au Ghana et qui finalement va découvrir l'Allianz Arena. Davies est né à Boudouburam, un camp de réfugiés dans le district de Gomoa, à l'est du Ghana, des parents libériens qui y vivaient après avoir fui le Libéria pendant la deuxième guerre civile que leur pays a connue. Alors qu'il avait 5 ans, ses parents ont posé leurs valises au Canada en tant que réfugiés. Le 6 juin 2017, il a reçu officiellement la nationalité canadienne. Il avait rejoint les Whitecaps de Vancouver en 2015. L'adolescent a signé un contrat professionnel peu après l'âge de 15 ans, avant de faire ses débuts et de marquer en MLS. Au cours des deux dernières saisons, il a disputé 69 matchs avec l'équipe première. En juin 2017, il portait pour la première fois le maillot de la sélection canadienne. Lors de ces 6 matchs, Davies a déjà marqué 3 fois alors qu'il est en passe de devenir l'icône de la nation qui accueillera la Coupe du Monde de la FIFA en 2026. Fini la Coupe du Monde 2018, rangée aux oubliettes, mais la Coupe du Monde virtuelle, FIFA, elle, a débuté à Londres jeudi dernier. Le tournoi virtuel s'est achevé samedi par une victoire du Saoudien Mossad Al-Dosari qui a battu son adversaire belge Stefano Pina 4-0 lors de la grande finale à 2 matchs et remporté 250 000 dollars. L'Arabie saoudite Mossad Al-Dosari a battu l'adversaire belge Stefano Pina 4-0 au total lors de la grande finale de la Coupe du Monde e-World de la FIFA samedi pour remporter le prix de 250 000 dollars. Le joueur âgé de 18 ans qui joue le rôle de MS Dosari a également reçu une invitation pour le prix du meilleur football du corps mondial en septembre et un nouveau trophée étincelant. L'Arabie saoudite a remporté chaque étape 2-0 sur les consoles PlayStation et Xbox, tandis qu'une Pina frustrée n'a pas réussi à trouver un moyen de parvenir à ses objectifs.
Les deux hommes se sont affrontés sur une scène centrale à l'O2 Arena de Londres, séparés seulement par leurs écrans. Il a eu une occasion manquée en première manche quand il était face à face avec le gardien, mais a inscrit un doublé de l'ancienne star brésilienne de la Coupe du Monde sur PlayStation et les buts de Thierry Henry et Ruud Gullit sur la Xbox. La grande finale, diffusée en direct dans le monde entier sur Twitter, YouTube, Facebook et la plateforme de la FIFA, était le point culminant d'un championnat virtuel qui a débuté avec un pool mondial de 20 millions de participants. Le Real Madrid a battu la Juventus 3-1 dans un match de la Coupe des Champions samedi soir, mais l'accent a été mis sur les absents Cristiano Ronaldo et Luka Modric. Ronaldo qui a quitté le Real Madrid après 9 saisons pour rejoindre la Juventus et Modric qui a aidé son pays, la Croatie, à atteindre la finale de la Coupe du Monde, se remettent encore tous deux du tournoi. On écoute. Alors que Cristiano Ronaldo entame une nouvelle ère prometteuse avec la Juventus, une période d'incertitude commence pour l'équipe qu'il a laissée derrière lui, le Real de Madrid. Le club le plus titré d'Europe devra trouver un moyen de se réinventer après avoir vu l'un des plus grands joueurs de football lui dire au revoir. Samedi, le Real Madrid a facilement battu l'équipe actuelle de Ronaldo, la Juventus, 3-1, dans un match de Coupe des Champions internationaux. Mais l'accent a été mis sur les absents Ronaldo et Luka Modric. L'Inter Milan a récemment tenté d'acquérir Modric, mais le nouveau manager du Real, Julen Lopetegui, a tenté de dissuader le milieu de terrain central de rester au sein de l'équipe. Oui, j'ai parlé avec lui après sa grande Coupe du Monde. Nous le verrons quand nous reviendrons le 8 et nous verrons s'il est disponible le 15, ce qui est notre premier match clé. Ce que je lui ai dit est finalement privé, mais ce que je ressens, c'est qu'il est un joueur que j'adore regarder. Je suis ravi de l'avoir et je pense qu'il sera très heureux avec nous et l'équipe que nous formons ensemble. D'autre part, l'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, est enthousiaste à l'idée d'avoir l'opportunité d'entraîner un joueur comme Ronaldo. Je dirais que ce sera un plaisir d'entraîner Cristiano Ronaldo. C'est certainement l'un des meilleurs joueurs du monde à côté de Lionel Messi et j'ai hâte d'avoir le privilège d'entraîner un joueur aussi fantastique. Gareth Bale, 28 ans, et Karim Benzema, 30 ans, ont tous deux passé beaucoup de temps sur le banc sous la direction de Zinedine Zidane. Le nouvel entraîneur Julen Lopetegui, qui est arrivé à la veille de la Coupe du Monde de la FIFA, se tournera également vers Lucas Vazquez, 27 ans, et Borja Mayoral, 21 ans. Mais certaines sources dévoilent même les noms de quelques joueurs qui se sont démarqués lors du Mondial 2018, comme Eden Hazard de Chelsea et Harry Kane de Tottenham. C'est la fin de cet épisode de Football Planète. Rejoignez les différentes discussions en ligne sur nos pages Twitter et Facebook. Vous pouvez également retrouver ce programme sur notre site web africanews.com. Je suis Victor Moussio. Au revoir.